Shalom, shalom bien-aimé de Dieu, shalom à toi porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un privilège encore que nous puissions nous retrouver en ce matin dimanche. Une grâce encore de pouvoir nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et en ce matin, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons tout simplement te bénir, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour la nuit que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci pour les rêves, pour les songes. Merci d'avoir parlé à tout un chacun, d'avoir parlé à nos âmes, d'être venu encore nous transformer et donner un autre parfum en cette nuit. En ce matin encore, tu permets que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions encore te glorifier, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour le don gratuit de la vie. Merci pour le souffle que tu renouvelles en tout un chacun de nous. Merci pour nos yeux, pour nos mains, pour nos bouches, pour nos oreilles, pour nos cœurs et pour nos âmes. Nous voulons tout simplement te dire merci parce que tu en es digne. Et en ce matin, alors que nous nous préparons encore à aller communier, manger de ton corps et boire de ton sang, éternel Dieu des armées, nous voulons tout simplement te demander encore au travers de cette Eucharistie, tout comme Saint-Marie, Saint-Jean-Marie Vianney, tout comme lui, te demander, éternel Dieu, de nous transformer encore. Dans cette Eucharistie, que tu viennes nous transformer entièrement, que nous puissions également déposer tout ce qui a été fardeau, tout ce qui a été lourdeur de toute cette semaine qui vient de se terminer, que nous venons encore déposer à tes pieds par les mains de Marie. Et qu'il te plaise encore, éternel Dieu des armées, de nous fortifier, de nous combler de ta présence au travers de ton Eucharistie, de nous combler de ta personne à toi, de venir encore voir tout ce qui est vase vide et récipient vide dans nos vies, que la Vierge Marie te présente en ce matin dimanche, afin que tu puisses encore les remplir de toi, les remplir de ton amour, les remplir de ta joie, les remplir de ta miséricorde à toi, éternel Dieu. Parce que nous croyons que tu es là présent et tu es là pour nous faire du bien. Alors bien-aimé, de là où tu es, que tu puisses élever une prière devant le trône de Dieu, que tu puisses encore en ce matin présenter tes vases à la bienheureuse Vierge Marie afin qu'elle les amène devant le trône de notre Seigneur. Qu'elle puisse encore te présenter tel que tu es afin que tu sois fortifié et renouvelé. Amen. Aujourd'hui,
avec tout l'amour de la bienheureuse Vierge Marie, avec la joie et la ferveur de tous les saints, en particulier Saint Jean-Marie Vianney, nos anges gardiens que tu nous as donnés, et tous nos saints à qui nous vouons un amour particulier. Éternel Dieu, en ce dimanche, nous voulons tout simplement déposer tout ce qui a été lourdeur, déposer tout ce qui a été amertume, tristesse et colère au devant de ton trône. Nous voulons tout simplement, comme des enfants, par les mains de Marie, venir à elle, par elle du moins, nous déposer à toi, nous abandonner à toi, pour que tu puisses encore nous remplir totalement de toi, nous remplir de ta présence, que nous puissions sortir fortifiés, renouvelés, qu'il y ait un autre parfum de renouveau qui soit déposé dans chacune de nos vies, pour nos maisons, pour nos foyers, mais également pour nos nations. Pour cette nouvelle semaine, éternel Dieu, nous voulons tout simplement te la consacrer. Consacrer les heures, les secondes, les jours, tout ce que nous aurons à faire tout au long de cette semaine. Dans ton Eucharistie, nous voulons tout simplement consacrer. Et par ton corps et dans ton sang et par les mains de Marie. Et par ton corps, dans ton sang et par les mains de Marie. Qu'il te plaise encore de nous dévancer par ton Saint-Esprit. Qu'il te plaise que cela soit sous ton contrôle. Que nous soyons vraiment éternels sous ton contrôle. Orientés et guidés par ton Saint-Esprit à toi. Qu'il vienne encore faire du bien à nos âmes. Qu'il vienne encore nous donner de pouvoir rentrer en possession de tout ce que tu as prévu pour tout un chacun de nous durant cette semaine encore qui se présente à nous. Amen. Pain de vie, celle que Jésus sauve. Encore pour manger de ton corps et boire de ton sang. Nous venons également te confier nos peines, nos manques d'amour, nos manques de pardon, nos manques de miséricorde, nos manques de maîtrise, de tolérance, pour que tu puisses encore nous guérir de tous ces maux, nous guérir de toutes ces plaies tout au long de cette semaine qui s'ouvre à nous, qui se présente à tout un chacun de nous. Éternel Dieu des armées, par les mains de Marie, puisses-tu encore nous dévancer et nous donner véritablement d'avoir des opportunités qui réjouira ton cœur et qui pourra également nous réjouir. Que ce soit ta volonté qui s'accomplisse en ce jour dimanche, mais également durant cette semaine qui se présente. Que ce soit tes préceptes, que ce soit tes désirs qui s'accomplissent afin que nous puissions rentrer dans tes desseins à toi. Amen. Qui devra cette mouvance avec la Vierge Marie, avec nos saints, avec Saint Jean-Marie Vianney, que je te souhaite de passer une excellente journée, une belle journée dominicale avec toute la famille, avec tes êtres chers, tes bien-aimés à toi. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.